partir du moment où tu vois la vie avec les comparaisons que tu fais, une critique, que tu ne regardes plus les choses comme elles sont, mais avec division, un esprit divisé qui compare, qui résiste à ce qu'il y a. Alors tu ne vois plus l'oiseau qui prend son envol, tu vois plus la beauté du ciel bleu, tu ne vois plus les choses de manière à être émerveillé par elles. Tu regardes seulement ce que tu veux, ce que tu as compris. C'est-à-dire tu es un programme qui dicte comment les choses devraient être. Et à ce moment-là, tu regardes le monde avec un œil divisé. Tu fragmentes les choses. Tu ne vois plus la beauté du tout. Tu comprends que tout est séparé. Mais cette compréhension, elle est fausse. Parce que rien ne peut être séparé. C'est ton esprit qui divise. Tu compares, tu juges, alors tu divises. Tu ne regardes pas les choses de manière holistique. Tu vois l'un différent de l'autre. Tu vois le monde avec l'américain, le chinois, le français. Et tout ce que tu vois est vu de manière divisée. Et toutes ces choses ne sont pas à ton goût. Parce que toi, quand tu compares, tu crois que c'est ce que tu penses qui est bon. Donc tu divises la compréhension d'un tout. Tu as fait des conclusions. Et cette conclusion, en fait, n'est pas propice à la paix. Parce que toutes ces divisions que nous faisons fait de la rivalité dans nos esprits, de la dualité entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc on a tendance à regarder les choses avec une résistance. On ne regarde pas les choses comme c'est, mais on regarde les choses comme elle devrait être selon le programme que tu as reçu. Le programme, c'est ta culture, c'est tout ton vécu, les choses que tu as acquises du passé, tes croyances, tes envies, comment tu vois les choses. Et comment tu vois les choses, c'est avec toute l'expérience que tu as eue, tu as fait des conclusions. Et c'est comme ça que nous avons divisé la beauté d'un tout. Parce que nous sommes des êtres qui regardons les choses à travers un programme, ce programme du passé qui nous dicte comment devraient être les choses. Mais bien sûr que le passé divise tout. On a divisé le monde parce que nous sommes issus du passé. Et le passé vient s'insérer dans le présent et dicter au présent comment la vie devrait être. Or, le présent, c'est la vie. Tu ne peux pas faire de la vie ce qu'elle devrait être. Elle a toujours été ce qu'elle est. Mais le fait de juger, de voir les choses comme on aimerait les voir, parce qu'on est conditionné à les voir ainsi, alors on perd cet émerveillement. Nos yeux ne sont plus rivés sur une beauté extraordinaire, parce que la beauté, c'est de pouvoir voir le tout
sans division. C'est seulement là que tu peux t'émerveiller, quand tu ne divises rien. Tout est vu holistiquement, de manière globale. Parce que l'humanité que nous sommes n'est pas divisée. Nous sommes tous cela. Mais tous, nous sommes aussi unis à cela. Nous sommes cela. Mais l'esprit ne le voit pas ainsi quand il y a ce programme qui est véhiculé. Parce que tu véhicules en toi le spectre du passé qui dicte comment sont les choses, comment ça devrait être, pour que tu puisses avoir une zone de confort. Parce que quand tu regardes les choses de manière holistique, ça devient tellement grand que ce que tu as appris ne peut pas le concevoir. Donc, ça fait peur de regarder cet inconnu de manière grandiose. C'est-à-dire de regarder l'humanité comme un seul tout, sans division, sans comparer, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Cette façon de voir la vie ne peut être que destructrice pour celui qui veut être joyeux. Parce que la joie s'en va dès que tu ne vois plus les choses comme elles sont. Si tu le vois comme elle devrait être, selon l'usage du passé, l'usage de ce que tu en as fait, parce que ça t'a accommodé, alors tu te limites à ce qui fut. Et tu ne sais pas ce que c'est, ce qui est. Tu sais seulement ce qui fut et tu veux le répéter. C'est une protection, un soulagement peut-être, un réconfort que tu te donnes pour ne pas entrer dans quelque chose qui est incompréhensible. Parce que tu ignores ce qu'est le tout, parce que tu es associé à un programme qui te dicte comment ça devrait être. Nous avons tout divisé. Le bien, le mal, le grand, le petit, l'américain, le chinois, mon pays, ton pays, tout ça. C'est des choses qu'on a divisées par la pensée, ce que nous avons appris. Nous avons appris que je suis français, donc là-bas, l'américain, il est différent de moi. Mais est-ce une réalité, vraiment? Si tu réfléchis bien, il n'y a pas d'américain. Il n'y a pas de français, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a ce qui est là. Et tu ne l'acceptes pas. Tu regardes les choses de manière divisée. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, quand on vit cette vie, eh ben, on est toujours en train de chercher quelque chose qui nous convient. Donc on garde nos positions sur ce que nous avons appris, et quand on arrive en face de ce qu'il y a, eh ben, on n'accepte pas parce que ce n'est pas au goût de ce que j'ai appris. D'où toutes les disputes, toutes les rivalités dans nos relations. Parce qu'on voudrait que l'autre soit comme j'aime, comme j'ai conclu que je devrais être pour pouvoir être dans ma zone de confort. Donc, tout ça, ça crée la division dans nos relations. Et certainement, ce n'est pas facile dans ce monde, parce que, en fait, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas comme toi, ça crée en toi une frustration, parce que tu voudrais qu'il change, tu voudrais qu'il soit à ton goût, tu voudrais que les choses aillent bien. Mais c'est justement là
qu'existe la rivalité, la dualité entre les uns et les autres. Mais si tu ne veux rien, si tu l'acceptes juste comme il est ou comme elle est, et tu acceptes ce qui est, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, sans créer de division, tu acceptes que la planète entière est une seule planète. Tu regardes d'en haut, de toute façon, il n'y a pas les frontières. Les frontières, c'est une histoire qu'on a fait. On a créé des frontières pour pouvoir faire en sorte que je me rassure d'être ce que je suis. Parce que tu t'es donné d'être ce que tu voudrais être et tu te rassures tout le temps que c'est comme ça. Donc tu dis, je suis français, je suis grand, je suis un homme, je suis une femme. Tu t'es mis dans une boîte. Et chacun étant dans sa boîte, chacun croit qu'il a raison. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est de pouvoir capter la beauté dans le tout. Parce que la beauté vient du tout. La beauté vient de l'ensemble. La beauté, c'est le reflet de ce que présente l'univers pour toi. L'univers émane la beauté. La beauté s'exprime à travers toi quand tu es libre de tous ces jugements, ces comparaisons, quand tu es juste là, présent avec ce qu'il y a et que tu ne trouves pas dedans des choses pour diviser, comparer, juger. Tu les vois comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de résistance. Tu acceptes les choses parce que tu ne peux pas faire autrement que d'accepter. Autrement, tu vas souffrir. Si tu veux que les gens soient à ton goût, ben, tu vas passer dans une phase de contrôle. Tu vas vouloir faire en sorte que toutes les choses soient contrôlées, arrangées, pour que les gens puissent être à tes côtés. Ce que tu aimerais. Et c'est ce qui se passe sur notre planète. Tout le monde attend que l'autre puisse être à mon goût. Ça ne peut pas exister. Personne ne sera à ton goût. Chacun a son truc. Et chacun a sa façon de voir les choses. Il ne peut pas voir les choses comme tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est un seul petit truc dans l'univers qui regarde les choses à son goût. C'est quand tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont, que tu ne veux plus rien. Parce qu'il n'y a rien à vouloir. C'est ça la liberté d'esprit, que de regarder les choses telles qu'elles sont, sans vouloir comparer nécessairement. C'est bien complexe parce que, en fait, on dit qu'il ne faut pas comparer, il ne faut pas juger, certes, mais dans le courant de la vie de tous les jours, il faut que tu compares entre si tu veux mettre une robe rouge ou une robe verte, tu compares, tu as besoin de ces éléments pour pouvoir fonctionner. Mais on parle de comparer dans la division de l'esprit. Où on n'accepte pas ce qui est. Ce qui est ne peut pas être comparé. Ce qui est ce qui est. Et rien, rien au monde ne pourra changer les faits de ce qu'il y a. L'univers est un tout, c'est ce qu'il y a. L'univers ne peut pas être divisé parce que c'est un tout. Et quand tu commences à diviser, alors tu fragmentes le tout en des particules qui vont être des choses qui sont éparpillées. Et ces choses éparpillées, c'est une illusion. Tu ne peux pas. Parce que ce sont des histoires que tu te racontes à toi-même. Celui qui compare, c'est celui qui est amoureux de ce qu'il aime. Celui qui juge,
ne sait pas regarder au-delà de ce qu'il sait. Donc, il veut que les choses soient comme d'habitude. Et comme d'habitude, ça fait de nous des êtres humains machinales. Nous sommes une machine qui pense. Et cette machine qui pense, c'est la compulsion de ce que nous avons appris du passé, qui se perpétue. Donc l'habitude et le train-train revient, et tout ça, ça nous réconforte. Nous sommes réconfortés par nos habitudes et nos train-trains. Nous aimons que ce soit comme ça. Nous aimons que ça puisse continuer, ça puisse perdurer. Et tout ce qui perdure, en fait, ça devient une répétition. On répète tout le temps les mêmes choses. Parce que le monde que nous connaissons, c'est le monde du temps. Et le temps a divisé les choses. Le passé, le présent, le futur. Nous avons divisé. La vie que nous avons est divisée. La vie que nous avons est mise en boîte. Ma vie de plaisir, ma vie de travail, ma vie de famille, ma vie, tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est parce que nous avons comparé entre ce qui est agréable et désagréable. Donc, nous faisons tout le temps les choses qui nous conviennent. Et ce qui te convient, c'est de répéter toujours les choses que tu as apprises pour pouvoir faire en sorte que tu puisses être réconforté face à quelque chose que tu ne peux pas comprendre, c'est-à-dire cette vie vivace, vivifiante qui est tout le temps en changement. Et quand tu ne suis pas ce mouvement vivace, alors tu te fais rattraper, tu te fais bousculer par la vie. Parce que tu crois, tu as cette croyance que ça devrait être comme tu aimerais. Mais ça ne peut pas. Donc tu es tout le temps bousculé par ce que la vie elle est vraiment. Et la vie, c'est pas ce que tu veux. La vie, elle est ce qu'elle est. Et si tu ne l'acceptes pas, si tu continues à la comparer, à la disséquer, à la mettre en boîte, alors elle sera une rivalité. Tu vas en faire d'elle, de cette vie, quelque chose qui est fragmenté. Et la vie n'est pas fragmentée. La vie, c'est un seul tout. Et tu ne peux que accepter ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce que tu vis là maintenant. Que ce soit bon, mauvais, tu l'accueilles. Sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, sans comparer, sans juger. C'est là que ton esprit se retrouve en paix. C'est ça qu'on appelle la paix. La paix, c'est celui qui sait faire en sorte qu'il n'est pas en train de s'inquiéter pour pouvoir diviser les choses. Il n'est pas en train de spéculer comment devraient être les choses. Ça s'appelle de la tracasserie. Et quand il y a tracasserie, eh bien, il y a division, il y a dualité dans l'esprit. Parce qu'on essaye de contrôler. Donc, ce que tu es, en fait, n'est pas accepté. Ce que tu es, c'est juste la vie qui se présente à toi. Ce que tu es, c'est ce que la vie, elle, émane de toi. Et ce qui émane de toi, c'est la vie qui est toi-même. Tu es la vie. Et rien d'autre. Tu n'es pas le programme. Le programme se dit être moi, avec tous mes habitudes, mes train-trains, ma culture. Ça, c'est des constructions que nous avons faites pour pouvoir exister en tant que celui qui compare, celui qui juge, celui qui est tout le temps en train de courir pour une solution. Et ça, c'est une illusion de soi-même. C'est un fake. On est un fake qui essaye de faire croire qu'il est vrai. Mais rien n'est vrai
à part ce qui est. Tout le reste, c'est l'illusion. C'est quelque chose qui émane d'une projection, un programme qui veut que te faire croire que ce que tu es est vrai. C'est un fake, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui existe. Seule la vie, seul ce qui est. Et ce qui est, quand tu acceptes ce qui est, alors tu es tranquille, tu es en paix. Tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu laisses les choses être. C'est là que la vie prend son sens. Il y a de l'amour, de la joie, un vivre ensemble qui est harmonieux. Parce que tu n'es plus en rivalité.